tous, c'est Mélie sans Mélo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est ni une présentation, ni une comparaison, ni un vlog. Je pense que ça va rentrer dans la playlist hors série, je crois, je l'ai appelée, dans laquelle je vous parle, je crois que la plupart des vidéos, c'est les sagas, concernent mes sagas en cours et ma PAL. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler... c'est un sujet que j'évoque assez régulièrement, je crois, en vlog, et j'ai dû vous en parler en présentation, je pense. À mes 25 ans, à peu près, il s'est passé un truc. J'ai eu envie de relire des sagas chouchou de mon enfance, de mon adolescence, des choses qui m'ont vraiment marquée en tant que lectrice, qui ont, je pense, construit ma vie de lectrice, ce que j'aime, vraiment des sagas qui sont restées très très chères à mon cœur, des sagas chouchou. Je pense que quand je vous en ai parlé, ça devait être sur le mode bon bah j'ai envie de relire ça, puis j'ai envie de relire ça aussi. Il y a des noms qui reviennent assez souvent, puis d'autres dont je vous ai pas parlé. Et là j'ai fait l'exercice récemment de faire une liste, voilà, de ce que je voulais, ce qui me tenait à cœur de lire, de relire plutôt. De voir déjà ce que j'avais déjà relu et ce qu'il me restait à lire. Alors moi j'ai commencé ces relectures il y a presque 2 ans maintenant, puisque je vais dans quelques semaines avoir 27 ans et je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, probablement que j'aurai déjà fêté mon anniversaire. Donc autant vous dire que c'est un process assez long, puisque bien sûr je ne fais pas que des relectures, vous l'avez vu avec les différentes présentations qui sont sorties ces derniers temps, je lis, je vais pas dire beaucoup, mais je lis quand même pas mal de choses, des nouveautés, des suites de sagas, des one-shots, le plib, voilà, j'ai vraiment beaucoup de lectures en parallèle. C'est pour ça que ce genre de lecture, là vous le voyez pas, j'ai une grosse pile juste à côté de lectures doudou, c'est pas des lectures que je fais souvent, mais en tout cas c'est des lectures que je savoure. Sachant que ce qu'il est important pour moi de préciser, c'est que c'est une liste qui est vraie à ce moment T où je l'ai faite, c'est-à-dire que c'était le week-end du 1er mai où je me suis vraiment penchée dessus et je me suis dit voilà, qu'est-ce qu'il me resterait à lire. Maintenant, je sais qu'en me retournant parfois, en regardant ma bibliothèque, il y en a d'autres que j'ai pas mis dans cette liste, mais qui me font, enfin s'ils sont là de toute façon, s'ils sont là, s'ils sont dans cette bibliothèque, surtout maintenant que j'ai appris à faire du tri, c'est que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, c'est des livres que j'ai adorés et donc nécessairement que j'ai des envies comme ça parfois de les relire. Voilà, peut-être que cette liste va évoluer, changer, peut-être que je vais faire d'autres relectures que celles dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais là, tout de suite, maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 sagas. Au total, ça représente 65 livres, donc c'est l'équivalent de ce que je suis capable de lire sur une année. Sachant que sur ces 65 livres, j'en ai déjà lu 19. J'ai pas encore atteint le tiers, donc on peut se dire que j'en ai pour encore 4 bonnes grosses années de lecture. La première saga dont je vais vous parler, vous la connaissez, hein. Comment ne pas connaître cette saga, Harry Potter, sachant que je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé cette relecture, mais ce que je sais c'est que je n'ai pas commencé par le tome 1 et le tome 2 parce que c'est ceux que j'avais déjà le plus relus, donc j'avais envie de commencer par le tome 3, ce que j'ai fait, j'ai lu le tome 3, le tome 4, sachant que parmi tous les livres que je cite là, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par des lectures communes, ça peut être un moyen de se motiver ensemble. Je sais que le tome 4, je l'avais lu, je crois, avec Renard de Brume, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je suis tout à fait open à lire également le tome 5 en lecture commune, probablement plus cet été ou pendant le Sweetie Gourmet Challenge, dont il faut d'ailleurs qu'on vous prépare un peu le... Faut qu'on s'en occupe, hein. Donc voilà, Harry Potter, il m'en reste 3 à lire. Je vous montre celui auquel je me suis arrêtée, c'est-à-dire ce qu'il me reste à lire après. Quand je dis 10 sagas, c'est peut-être un peu réducteur parce qu'en fait j'en ai rassemblé 3, 4, voire 5 sous un seul nom que moi j'appelle les Botero. Alors c'est un peu grossier parce qu'il a écrit d'autres choses, mais voilà, pour moi c'est les sagas en lien avec Gwendalavir. Donc on a les 3 Elana, les
3 la quête des Willan, les 3 les mondes des Willan, on a les 3 l'autre, le chant du troll qui est un album et le dernier qui est les âmes croisées. C'est la saga, la série dans laquelle j'ai le plus avancé puisque il ne m'en reste plus que 3 à lire. Donc ça éventuellement pour la fin 2023 ce sera terminé. Même si à chaque fois ça me fait un petit pincement au cœur, c'est pas la première fois que je les relis. Il faut aussi se mettre ça en tête, c'est que c'est des livres que j'ai beaucoup relus en règle générale. Donc celui qu'il me reste à lire dans les Elana, c'est le Pacte des Marchands, donc Elana la prophétie, le tome 3. Je vous ai déjà parlé je pense de l'ordre de lecture, mais oui je vous avais fait un petit, je les avais affichés tous, je ne sais plus. Dans une présentation, je pense. Donc voilà, Elana, le tome 3. Juste après, il faudra que je lise l'autre, le troisième tome, La huitième porte. Et je ne l'ai pas sorti de ma bibliothèque, mais le suivant, ce sera Les âmes croisées, le tome unique, même si c'était une porte ouverte à beaucoup, beaucoup d'autres choses. La saga suivante, c'est L'épouvanteur, enfin la Épouvanteur, non, je ne sais plus, L'épouvanteur, je crois, de Joseph Delaney. Je les ai tous d'ailleurs, vous pouvez les voir, puisqu'ils sont tout le temps, enfin, ils sont ici. Oula, je suis désolée. Alors, L'épouvanteur, c'est un peu particulier parce que c'est une saga que je lisais quand j'étais du coup adolescente en les empruntant à ma médiathèque. Sauf que j'ai grandi, j'ai arrêté d'aller à la médiathèque. Puis j'ai déménagé, etc, 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 et finalement c'est une saga que je n'ai jamais continuée. Je crois que j'ai vérifié, j'avais lu le tome 5, mais pas au-delà. Donc là c'est le tome 5, donc c'est une relecture, après quoi ce ne sera plus de la relecture, mais de la lecture tout court. Je les ai quand même tous sous la main. Il m'en reste donc 9 à lire puisque je m'arrêterai au tome 13 d'ailleurs que j'ai. Je ne compte pas lire la suite, saga dérivée, je sais pas trop, enfin en tout cas pas maintenant, donc je pense vraiment m'arrêter au 13e. Cela, je suis un peu, je vais pas dire déçue de pas avancer plus vite, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me fais la réflexion, c'est des lectures qui sont vraiment petites, c'est des lectures jeunesse, hein, donc c'est des lectures qui sont, c'est écrit gros, il n'y a pas tant de pages que ça, mais généralement je crois que j'en lis deux par an à peu près, donc voilà, je vais essayer de faire la même cette année. Ensuite, une saga dont vous entendez tout le temps parler en tout cas si vous suivez les vlogs, parce que c'est une saga extrêmement chère à mon cœur. J'avais pas prévu de commencer la relecture tout de suite, mais finalement grâce à mon mari qui a décidé de faire le mois de la fantasy et donc de s'ouvrir à mes conseils, c'est une saga que je lui ai conseillée et donc il l'a emmené en week-end et j'ai pu le lire avant lui. Je l'ai lu je crois sur un peu moins de 2 jours, donc j'ai commencé le tome 1, il m'en reste encore 2 à lire et il s'agit de la trilogie de Bartimus. Donc là je vous présente le tome 2, L'œil du golem, et en fait c'est pas que je m'en veux de pas avoir commencé cette relecture plus tôt, mais j'adore ces romans, mais vraiment je les aime d'amour. Là je saurais pas vous dire combien de fois je les ai relus exactement, pourtant ils sont pas si abîmés. Je sais que le premier commence à avoir la tranche un peu pliée, enfin le dos pardon, là c'est pas le cas. Et le 3 encore moins, donc c'est celui que j'ai dû relire le moins souvent. Mais voilà, il faut que je les lise parce que le tome 1, j'ai ri toute seule, j'ai eu la gorge un peu serrée. Et encore, je sais que les 2 suivants sont, en termes d'émotion, sont plus chargés encore. C'est de la jeunesse, ça se lit extrêmement vite, donc voilà, qu'est-ce qui me retient quoi. Troisième saga, pareil, alors là j'avais repris déjà le tome 1. En lecture orale avec mon mari, puisque c'était on avait décidé de faire ça ensemble, de lire un peu tous les soirs quelques pages, une dizaine de pages, un chapitre, et d'échanger le livre et voilà, de se le lire, de se faire la lecture en fait. Finalement on ne sera pas arrivé au bout du tome 1 des Royaumes du Nord. Moi mon objectif initialement c'était qu'on lise ensemble le tome 1 des Royaumes du Nord avant de voir la série Is Dark Material. On n'a pas tenu. J'espère quand même qu'on puisse finir ce tome là puis le 2
avant de voir la deuxième saison, parce que déjà dans la première saison il y a des petits éléments du deuxième livre en fait. C'est un parti pris, la construction est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus chronologique que la façon dont sont écrits, enfin dont on suit l'histoire dans les romans. Mais voilà, donc ça c'est un objectif pour moi, c'est vraiment de terminer ce tome 1. C'est pareil, c'est de la jeunesse, il est pas monstrueux. Enfin je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous dis ça, il y a 500 pages. Je pense que je le reprendrai là où on s'en est arrêté, parce que c'est encore assez récent, donc assez frais dans ma mémoire. Je suis pas sûre d'attendre monsieur cette fois, parce que j'ai vraiment envie d'avancer, donc ça dépendra. Ou alors peut-être que ce sera le déclic et qu'on se dira, bon bah on reprend à deux, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, À la croisée des mondes, cette couverture là je l'aime pas du tout, c'est la couverture du film en plus, film que je n'ai pas aimé. J'avais la toute première couverture, enfin je l'avais lu moi dans l'édition de chez Folio également, mais qui était paru avant le film, donc qui était beaucoup plus jolie. Et donc là forcément bah, il m'en reste 2,5 à lire. Sachant que je pense que mon préféré ça doit être le troisième. Troisième qui à chaque fois me broie le cœur. Next, au début je pensais pas le mettre sur cette liste, donc je vous en ai sûrement pas beaucoup parlé, mais c'est Rêve ta vie en lecteur qui a organisé des lectures communes autour de cette saga. Et je pensais en profiter au début, sauf que j'ai raté le début de sa lecture commune sur le tome 1. donc c'est dommage, je suis un peu déçue puisque j'aurais bien aimé prendre le train au début. Puisqu'en fait je m'en suis rendu compte au moment où commençait la lecture commune du deuxième tome. Et là je me suis dit bon bah pff, trop tard, j'ai raté le train, donc tant pis. Mais c'est aussi un livre que mon conjoint va lire pour le mois de la fantaisie, ou a lu... Je ne sais pas, il n'a pas encore commencé celui-ci. Et il s'agit de Eragon, donc le tome 1 de Christopher Paolini, sachant que j'ai les 4 à lire. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que Christopher Paolini a décidé. L'imagination, il y a quelque chose qui lui est venu, qui lui a parlé. Et il va sortir un livre prochainement. Peut-être est-ce déjà le cas, sur Murtagh en fait. Bref, je vais pas vous dire qui, puisque si vous avez pas lu Eragon, ça... Voilà. Donc voilà, très envie de relire ce livre, de me replonger dans un univers avec des dragons. Ça fait très longtemps que j'ai pas été dans ce type d'univers. Le film, tout le monde s'en souvient, était un échec. C'était dégueulasse. En tout cas pour les personnes qui avaient lu le livre, puisque mon mari qui ne l'avait pas lu m'a dit qu'il avait finalement bien aimé le film. Donc je verrai ce qu'il en pense après avoir lu le livre, peut-être qu'on reverra le film. Toujours est-il que lui en parler, ça m'a donné envie de le relire. La plus grosse série après les Elana, enfin après les Botero du coup, c'est une série que je n'ai lue peut-être que deux fois, que j'ai aussi découvert en médiathèque, dont je vous ai assez peu parlé et qui est assez peu connue, en tout cas je crois, je pense que c'est pour de la jeunesse. Parce qu'il y a des dessins et que voilà, c'est quand même écrit assez gros. Maintenant, je me souviens avoir été un peu perturbée par cette lecture parce que les créatures sont un peu particulières. Il s'agit des Chroniques du bout du monde. Donc là, c'est le tome 1 du cycle 1. Par-delà les grands bois, c'est une saga en 3 cycles. 3 ou 4 cycles, je crois qu'il y a 4 cycles. 3 de 3 tomes et 1 de 2 tomes. Il y a 2 tomes complémentaires. Ou alors il me manque le tout dernier, le 12e. Et donc dans chacun des cycles on va reprendre des personnages différents, des parties du monde différents, des enjeux différents, mais tout est lié comme souvent. Et voilà, c'est une lecture comme je vous le disais, hop, assez jeunesse, donc il y a des dessins dedans. Il y a aussi une, alors c'est pas vraiment une carte, mais tout est illustré comme ça. Et voilà, c'est une lecture que j'ai fait il y a très très longtemps en médiathèque, donc j'ai galéré à les retrouver et à les acheter, si bien qu'ils ne sont pas tous au même format. Alors je sais pas, je vais essayer de vous retrouver pour vous donner, hop, un exemple. Voilà, c'est un semi-poche et le grand format, donc dans la bibliothèque ça fait un peu bizarre, surtout qu'en plus c'est un mélange, je crois, je dois avoir sur une trilogie, je dois en avoir deux grands et celui du milieu c'est un petit, enfin voilà. Comme dit, parmi ceux-là il y en a certains que j'ai relus plusieurs fois, d'autres que je n'ai jamais relus. Et donc du coup j'en ai, alors personnellement chez moi j'en ai 11 parce que je crois que le dernier
Il est vraiment devenu introuvable en français, donc bah, c'est pas grave. D'ailleurs, la dernière trilogie, je ne l'ai. Enfin, les trois derniers, je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est des tomes indépendants, sont encore dans ma palle puisque j'avais réussi à les trouver par un coup de chance incroyable sur Momox. Je les avais payés assez cher, je crois, mais bon, c'est le genre d'occasion quand on les voit, on saute dessus parce que c'est très difficile à trouver. Et du coup, pour pouvoir les lire, puisque je ne les ai jamais lus, je m'étais dit, il faut que je relise la totalité. Donc voilà, ça fait partie de mon plan de relecture. Ça aussi, ça devrait se lire assez vite, mais comme tout en fait. Après, je vous dis comme tout parce que c'est des. c'est que de la relecture sur des jeunesses. Hein. Enfin, vous avez bien remarqué, là, je vous parle que de livres jeunesse ou éventuellement young adulte. Mais c'est vrai que j'en ai d'autres. Moi, j'aimerais beaucoup relire L'Assassin Royal, la totalité, pour pouvoir enchaîner sur Le Fou et l'Assassin, puisque je suis toujours bloquée au tome. Enfin, j'ai lu le tome 1, j'ai jamais lu le tome 2 alors qu'il y en a 6. Mais voilà, c'est des trucs, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Faut que j'arrête de regarder derrière moi, parce qu'en vrai, j'ai aussi envie de relire les Six of Crows. Voilà. Et j'ai aussi envie de relire Le Trésor de Rêve. Mais au bout d'un moment, on peut pas tout relire. Saga suivante, et il me semble que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière en SFFF, puisque j'ai quand même deux sagas contemporaines à vous présenter. Pareil, c'est une saga dont j'ai très peu entendu parler, qui est. Est-ce qu'elle est ancienne? Et si oui, à quel point? Non, elle est parue en 2005 chez Hachette. Donc c'est pas si. C'est pas si vieux. Ça fait pas encore 20 ans. Il s'agit de Kitty Lord de Mélusine Vaglio. Là, c'est le tome 1, Le secret des Néphilim. C'est une saga qui est en 4 tomes. Pour le coup, en fait, ce que je me dis, c'est que la plupart vous les connaissez, mais les deux derniers vous les connaissez pas. J'aurais peut-être dû vous faire un petit pitch. Donc, de mémoire, Kitty Lord, c'est une jeune fille presque ordinaire, mais elle a des pouvoirs particuliers. Quand elle se met en colère, notamment, des pouvoirs un peu kinesthésiques, ou enfin voilà, elle déclenche des orages, etc. Et en fait, elle est vraiment rejetée du coup par les gens qui s'en rendent compte. Et elle est également traquée, alors je ne sais plus par qui, des scientifiques, voilà, qui veulent faire des tests sur elle, qui réussissent finalement à la kidnapper. Et l'idée, c'est pour elle de comprendre ben, d'où lui viennent ses pouvoirs, et puis ben, enfin voilà, juste de ce côté de comprendre. Ça s'appelle Le secret des Néphilim, et globalement ça va tourner autour des anges déchus, etc. De mémoire, hein, je vous dis ça, ça fait lui pour le coup, je pense que j'ai peut-être lu, allez, je l'ai peut-être relu deux fois, mais ça fait très très longtemps. Et en fait, la petite histoire, comme celui-ci d'ailleurs, c'est des romans qu'on m'avait offerts à un de mes anniversaires. Probablement l'année de leur sortie, mais on ne m'avait offert aucun des deux premiers tomes. On m'avait offert le tome 4 pour Kitty Lord et pour le Chronique du bout du monde, je crois qu'on m'avait offert le tome 3. Ouais, c'est ça, on m'avait offert le tome 3 du deuxième cycle, je crois. Donc c'était pas très pratique, et donc je m'étais procuré en bibliothèque les premiers tomes, et comme l'histoire m'avait beaucoup plu, je les avais achetés. Je crois même que Kitty Lord, j'avais lu le 4 comme ça, et j'avais rien compris parce qu'il n'y a pas de numéro en fait. Et donc le quatrième, je suis pas sûre que ce soit précisé que ce soit un quatrième tome. Voilà comment ça se présente, Kitty Lord et l'arcane cosmique. Ah bah si, en plus c'est écrit derrière, bien joué. Kitty Lord et l'arcane cosmique est le dernier tome de la tétralogie. Mais je crois que je l'avais lu et que j'avais rien compris, ce qui s'entend, raison pour laquelle. Enfin, j'avais quand même bien accroché au personnage, mais j'avais pas compris les tenants et les aboutissants, puisque mais j'avais pas lu les trois tomes précédents. Ce serait intéressant peut-être de faire une pause question sur le sujet. J'en ai parlé en vlog récemment par rapport au prix des livres. Moi je trouve ça dingue, parce que alors là, entre les mains, j'ai des livres jeunesse, on est bien d'accord, mais ils étaient à 12€. Voilà, ça là, ce sont des livres grand format. Ils font bon, 300 pages et 300 pages. Des livres de 300 pages, c'était 12€. Voilà. Donc, pour les mettre dans une saga, c'était quand même relativement raisonnable. Maintenant, des livres comme ça, c'est pas moins de 15-16€. Comme je vous le disais, j'ai pas que de la SFFF à vous présenter, puisque j'ai deux
saga contemporaine que je voudrais vous présenter, que vous connaissez, dont on vous a déjà parlé sur cette chaîne, je pense, à plusieurs reprises, qui m'ont vraiment marqué, qui ont fait grandir la lectrice que je suis. C'est pas les premiers contemporains que j'ai lus parce que très clairement Musso a une place assez primordiale dans mes lectures d'adolescence. C'est vrai que je lisais assez peu de contemporains, c'était des romans que je piquais chez ma grand-mère quand j'allais chez elle l'été. Et d'ailleurs je crois que c'est chez elle que j'ai découvert L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est le premier tome du cycle, enfin de la tétralogie, Le cimetière des livres oubliés. Alors Carlos Ruiz Zafón est décédé il y a peut-être 2-3 ans je crois, 2 ans je pense, et ça avait été un gros choc parce que pourtant j'ai lu assez peu de choses de lui, hein. Je veux dire j'ai lu cette tétralogie. J'ai lu une autre trilogie qu'il a écrite, plus un one shot, et c'est tout. Je pense que c'est les seules d'ailleurs qui ont été traduites de l'espagnol, et comme je ne parle pas espagnol, bah, je ne vais pas lire en VO d'autres de ses parutions, mais en tout cas celles-ci sont absolument exceptionnelles. Quand je vous dis que c'est du contemporain, c'est pas tout à fait exact, je pense que ça tient plus du poids du fantastique en fait. Et on va suivre donc un jeune garçon qui est le fils d'un libraire, il me semble, qui s'appelle Daniel Sampere. On va le rencontrer dans l'après-guerre, en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père l'emmène au cimetière des livres oubliés. On lui dit de choisir un roman parmi tous ceux qui s'y trouvent. Et il finit par trouver L'ombre du vent. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut que je le relise. Alors c'est une sacrée brique, mais en tout cas ça l'était. Ouais, voilà, il fait quand même 620 pages. C'est une histoire qui se déroule sur une vingtaine d'années, je pense. Où on va suivre donc ce garçon qui va déjà grandir, se découvrir, rencontrer, connaître des passions, des désirs, des envies, et surtout chercher le secret qui se cache derrière l'auteur de ce livre, L'ombre du vent. C'est le mieux que je puisse vous en dire aujourd'hui. Pour tout vous dire, je l'ai beaucoup prêté ce livre parce que j'en garde un souvenir assez incroyable dans la poésie de ses descriptions. Je vous ai dit à plusieurs reprises, je pense assez récemment, que Kate Morton, par exemple, écrit des romans d'ambiance. Je pense que L'ombre du vent, c'est un roman d'ambiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en étant pressé, il faut aimer les descriptions qui prennent leur temps. Mais il y a aussi beaucoup de mystère, et puis mine de rien, ça reste je trouve une histoire de famille d'un certain côté. Donc voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. D'ailleurs on me l'a rendu en assez mauvais état, donc j'étais même persuadée qu'on me le rendrait jamais, donc je l'ai acheté dans une autre édition. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Voilà, qui est assez différente mais assez jolie, donc je garde les deux, comme ça je prête celui-là et je lirai moi-même celui-ci. Puisque c'est un livre qui est, pour moi en tout cas, absolument indispensable dans ma bibliothèque. Raison pour laquelle maintenant je l'ai en double. Et comme je vous le disais, ce roman, cette saga en tout cas, c'est une tétralogie, il y en a 4. Sachant que le quatrième part sur un côté un petit peu plus policier, un petit peu plus dans l'action, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. La traduction n'est pas faite par la même personne non plus. Donc voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même profondeur dans le quatrième que dans les 3 premiers tomes. D'ailleurs j'ai pas relu cette saga depuis la sortie du quatrième, qui est sortie en français, je vais vous dire ça. Donc le quatrième tome qui m'a été offert par ma maman, c'était pour mon anniversaire de l'année 2018. Voilà, c'était il y a 5 ans déjà. Donc ça veut dire que je n'ai pas relu cette saga depuis au moins 5 ans. Ça fait moins loin que certaines autres sagas dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais voilà, ça fait un petit paquet de temps quand même. Et enfin, dernière saga. Et cette saga, j'ai décidé de ne pas la relire en entier. Sachant que sur les 3 tomes de la trilogie, j'en ai déjà lu un. Je l'ai lu cet hiver, ou à l'automne je crois.
Il s'agit du goût du bonheur de Marie Laberge. C'est une saga que j'ai découverte grâce à Margot Liseuse, que voilà, ça a été un coup de cœur instantané pour le premier tome, un coup de cœur monumental pour le deuxième tome. Et je vais pas dire une déception parce que finalement c'est vraiment la suite et c'est dans le même genre, mais j'ai moins accroché au troisième tome parce que je sais pas, peut-être que les enjeux sont pour moi moins touchants, les personnages peut-être m'intéressent un peu moins à cette époque-là de leur vie, mais en tout cas, Adélaïde, c'est une certitude, sera relue cette année, probablement cet été. Je pense que je vais me le garder pour mon mois de juillet-août. Je les aime tellement, vraiment, je cœur sur ce roman, que du coup je vais encore vous en reparler parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à chaque fois que je vous en reparlais, quand Mélo l'a lu, quand je l'ai lu, enfin voilà, c'est vraiment une saga chouchou qui me fait toujours beaucoup pleurer. Ce que je vais faire en revanche et ce que j'ai déjà fait la première fois que je vous en ai parlé, c'est que je vous avais mis la vidéo de Margot Liseuse en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Elle en parle nettement mieux que moi, donc voilà. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc voilà, écoutez, 19 romans de lu, 44 encore à lire dans cet objectif de relecture, dans cette plongée en nostalgie. J'espère que cette vidéo hors série vous aura plu. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire si vous connaissez certaines de ces sagas, si une lecture commune pour, je sais pas, Eragon par exemple, pourrait vous intéresser. Ce serait avec très très grand plaisir. Si vous voulez des détails sur certaines sagas, pareil, n'hésitez pas à me poser des questions, soit dans les commentaires, soit en message privé sur Insta, on est aussi plutôt dispo. Ce sera avec très très grand plaisir. Et puis de toute façon, c'est des livres qui, je l'espère, vous verrez passer. Pas sous forme de bilan malheureusement, parce que comme vous l'avez vu, c'est vraiment des lectures que je fais au fil de l'eau, petit à petit. Mais par contre, je les inclus dans mes présentations. Donc c'est comme ça que vous avez vu passer, il n'y a pas si longtemps, je pense, l'autre, le tome 2. Et puis bah du coup, les Willan, les Elana dans le courant des lectures précédentes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. De mon côté, ça m'a donné encore plus envie forcément de me lancer dans ces relectures. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et pourquoi pas de très belles relectures.